Bonjour et bienvenue ici le Steve, bienvenue sur la chaîne de la luxure une arnaque Pokémon. Une de plus. <laughs> je vois ici mes détracteurs, que dire Ah oh, le Steve, tu veux encore nous parler de Pokémon Écarlate et Violet, lâche-nous avec ça. Laisse-nous apprécier le jeu même s'il si est truffé de bugs, de glitches, de truc en tout genre et qu'il ralentit et qu'il est moche. Euh, bon, bref, non, 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 pas du tout. C'est un jeu vraiment arnaque cette fois-ci, parce que c'est un jeu Pokémon à la sauce NFT qui cache un dangereux malware. Et oui, faites attention. Voilà, amateur de Pokémon, je sais que beaucoup de gros fans euh, eh bien, aiment les jeux Pokémon et sont prêts à jouer à beaucoup de jeux, euh, j'allais dire à tout et n'importe quoi, mais quand on est fan, effectivement, on ne compte pas. Mais faites gaffe, il y a des grosses arnaques. Une nouvelle arnaque impliquant les Pokémon a été découverte par les experts en cybersécurité d'ASEC. Est-ce euh... <laughs> que j'ose faire un jeu de mots sur ASEC <laughs> Du coup, quand on a téléchargé le jeu... Est-ce qu'on s'est pas fait un petit peu euh, à sec <laughs> C'est bon, les 15 secondes, elles sont passées là. Ouais. Les pirates font croire aux internautes qu'ils téléchargent un jeu inspiré de licences à succès avec en plus une surcouche NFT pour attirer les plus crédules. Bien évidemment, le prétendu fichier d'installation contient un malware qui permet de contrôler le, le PC de sa victime à distance. On ne surprendra plus personne en affirmant que les jeux NFT disponibles sur le web cachent bien souvent des arnaques. Même sans malware, hein. c'est tous les jeux NFT, ce sont des grosses arnaques. J'en ai pas vu un seul qui utilisait vraiment la technologie pour le fun du jeu, et pas juste pour essayer de grappiller un maximum de thunes. Logan Paul en a lui-même fait les frais récemment, Allez voir mes vidéos dessus. Et d'autres internautes risquent de tomber dans le panneau avec un nouveau piège repéré par les équipes d'ASEC. que j'allais postuler là-bas. <laughs> <laughs> la comparaison avec le célèbre youtubeur est d'ailleurs de mise, puisque c'est un prétendu jeu Pokémon qui est cette fois au cœur de l'arnaque. Sur le site dédié, les pirates promettent en effet un jeu reprenant le principe des cartes Pokémon. À cela, les hackers ont ajouté une surcouche NFT, qui, il faut le dire, s'accorde relativement bien avec la spéculation qui sévit déjà dans le milieu. Les internautes les moins attentifs n'y verront donc pas la menace qui se cache derrière le bouton pour télécharger le jeu une fois le fichier exécutable ouvert, un processus d'installation est bien lancé. Malheureusement, ce n'est pas celui du jeu, mais bien celui d'un malware qui vient se camoufler dans le dossier système App Data de Windows. La combine repose en réalité sur l'utilisation de NetSupport, une application qui permet à un utilisateur tiers de prendre le contrôle d'un PC à distance. Si à l'origine NetSupport n'est pas un logiciel de piratage, il peut être redoutable lorsqu'il se retrouve entre les mauvaises mains. Or, c'est précisément cet outil que va installer la victime en posant installer un jeu Pokémon. Pire encore, le malware va également configurer le PC cible de manière à ce qu'il puisse s'exécuter dès le démarrage de celui-ci, le tout sans que la victime ne s'en rende compte. Vous l'aurez deviné, une fois l'accès au PC gagné, les pirates vont profiter pour installer d'autres malwares récupérer des données sensibles. Bref, réaliser diverses actions qui vont mettre mal la sécurité de leur cible. On ne vous le répétera donc jamais assez. Fait. Faites très attention à ce que vous téléchargez sur le web. Lorsque, surtout, ça implique des NFT et surtout, ça implique des licences à succès des Pokémon. Vérifiez toujours quand vous voyez un nouveau jeu, un nouveau truc, si le jeu existe réellement. Allez voir s'il y a des tests, allez voir s'il y a des trucs. Sinon, voilà, faites très attention. Malheureusement, il y en a qui vont se faire avoir parce que des Pokémon, un nouveau jeu Pokémon très sympa, qui a l'air cool, où on peut collectionner d'autres trucs en plus sous forme de NFT. Ça va attirer des gens. Donc voilà, je, je pensais que c'était suffisamment important pour en faire une vidéo à part entière, pour essayer de prévenir. Euh, faites tourner, euh, dites informer autour de vous. Surtout si vous avez des fans de Pokémon autour de vous qui ont vu le jeu ou qui sont sur PC. Euh, voilà, méfiez-vous toujours des arnaques et méfiez-vous surtout aussi des arnaques NFT. Même celles qui ont l'air sympa. je le répète, même celles qui sont promues par des influenceurs qui ont l'air d'être quand même des gens tout à fait respectables. Hein, J'ai donné l'exemple hier dans ma vidéo, allez la voir. Si vous voulez savoir de quoi je parle, de DNP Street, qui est un mec qui a passé euh, des années à redistribuer l'argent qu'il gagnait, à donner à des œuvres caritatives. Un mec, il avait l'air le gendre idéal, le mec à qui on donnerait ses enfants, enfin on prêterait ses enfants. Et il a, il a arnaqué plein de gens. Donc voilà, méfiez-vous de tout ça. Faites attention, vérifiez et surtout ne croyez pas des influenceurs sur des euh, placements d'argent. Ah, ah, surtout pas. Allez, c'est tout ce que j'ai là-dessus pour aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Amusez-vous bien et à très bientôt.